Je crois que nous avons quelque chose, commandant. Je suis ravie de voir que ma présence physique n'était pas indispensable à la réussite de la mission, Shepard. Trouve quelque chose, on parlera de réussite après. Commandant, Idea et moi, on a analysé ces données. Je crois qu'on a trouvé quelque chose. Je vous écoute. Bien que la structure des données ait été perdue, l'intégrité logique demeure exploitable. Idea a un talent incroyable pour ça. Je sais bien que c'est une IA, mais quand même. On a découvert une communication cryptée remontant à quelques jours. Encore une minute pour la craquer. Une minute entière? Idea aurait réglé ça en 5 secondes. J'ai voulu laisser à l'analyste Brooks une chance de parfaire ses talents de décryptage. Et perdu une occasion de crâner. Comme si elle en avait besoin. Vous êtes l'équipage du Normandie. Des légendes pour toute l'Alliance. Les légendes peuvent être bonnes ou mauvaises. On est quoi? Vous êtes des exemples. Le genre de personne à qui on doit la vie. Alors pourquoi tout le monde nous tire toujours dessus? C'est surtout à cause de vous, Vrex. Plus la cible est grosse, plus... la cible est grosse. Comment ça? J'ai pris du poids? Ça veut dire que la légende est encore plus grande. Et la camaraderie, l'amitié. C'est ça votre arme secrète, en fait. Ça fait partie du boulot. Quoi? Boulot? Vous voulez dire que vous, vous êtes payé pour ça? C'est parti. Waouh. Les mercenaires sont venus équipés. Avec du très lourd, je veux dire. Des mécas? Mais pourquoi une telle puissance de feu? Il semblerait que ce drone veuille se rebeller. Je détecte l'utilisation du code spectre du commandant dans les archives de la citadelle. Montre-moi ça. Les archives passent en verrouillage d'urgence. Celui qui les pirate s'y trouve à cet instant même. Qu'est-ce qu'on sait sur cet endroit? Le Conseil y garde des informations historiques très sensibles. Même mon accréditation du SSC n'était pas valable. On trouvera bien un moyen d'y entrer. Allez. C'est qui ce Volus? Ah, c'est juste le livreur de pizza. J'ai un petit creux. Avec double merguez! Ces archives ont une surface immense à couvrir. Dommage que vous n'emmeniez pas tout le monde. Qui a dit ça? Cette fois-ci, c'est toute l'équipe. Ouais, mais... qui sera en première ligne avec vous? Qui va payer la pizza? Qu'on entre dans les archives. Le local est sous les secteurs. On tente une brèche directe pour l'effet de surprise? Ça me plaît. Je vois que vous apprenez les ficelles. Les ficelles, tu parles. Reste plus qu'à apprendre. Les couteaux, les bombes, les dévoreurs. Et ne restez pas trop longtemps. Ou bientôt vous vous ferez des amis à Sari. J'ai entendu.
Les archives sont juste en dessous de nous. Y accéder risque d'être compliqué, cela dit. Pas vraiment. Les Krogan d'abord! On se voit à la fête, les filles. Embuscade! Dispersion et à couvert! Avant, on avait au moins 5 minutes avant qu'une mission parte en vrille. L'équipage a ramené tout l'équipage! Croisez-les! Bronx, ça va? Là-haut! Dispersion et à couvert! Ça suffit! Lâchez vos armes, ou ça finira mal pour elle. Ordure. Ok, ok. Même si vous croyez pouvoir vous en tirer, vous ne pourrez pas vous cacher. Je vous retrouverai où que vous soyez. Me cacher? Pourquoi? Je suis le commandant Shepard. Je ne me cache pas. Hein? Alors on va la jouer comme ça. Qui êtes-vous? Vous n'êtes pas le seul Shepard que Cerberus a ressuscité. Il est temps que l'un de nous deux fasse enfin quelque chose de sa vie. Mais d'où venez-vous? Du même ADN que vous. Un clone. Cerberus a dépensé sans compter pour vous faire revivre. Grâce à moi. J'ai été créé pour les pièces détachées, au cas où il vous manquerait un membre ou un organe. Vous étiez où pendant ce temps? Dans le coma, avant d'en sortir il y a 6 mois. Pendant que vous étiez en prison sur Terre, j'apprenais à être humain. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec des implants neuronaux. Je me fous de savoir qui vous pensez être. Le rôle du commandant Shepard est déjà pris. Par la mauvaise personne. Il est temps que la doublure monte sur scène. C'est l'homme trouble qui vous envoie? Non, il m'a écarté quand il a eu ce qu'il voulait. Vous. Alors pourquoi tenter de nous tuer? Parce que je n'ai pas ses souvenirs. Ça ne tromperait pas mes amis. Ceux qui ont abandonné leur devoir pour se vouer au culte de Shepard. Comme vous, Garrus Vakarian. Vous n'êtes rien de plus qu'un vieux flic sur leur tour. Et vous, vous n'êtes qu'une pâle imitation de l'original. Je suis l'original amélioré. Je suis vous sans vos défauts, Shepard. Sans les doutes, les échecs. Je suis le loup solitaire que vous auriez dû être. Sans le poids des émotions pour me retenir. Personne ne croira jamais que vous êtes Shepard. Si, quand je commanderai le Normandie. Ici Shepard. Verrouillage du Normandie. Transmission immédiate des codes. Bonne idée. Dommage que le signal ait été bloqué. Trainor, ici Shepard. Préparez le Normandie pour un départ d'urgence. On y va. Je transmets les codes d'accès. Bien reçu. On se fait en route. J'aurais jamais cru dire ça, mais j'ai hâte de me mettre une balle. J'imagine qu'on a la violence et les menaces dans le sang. Mais moi, je suis bien plus qu'une menace. Exécutez-les. Il est temps de mettre un terme au culte de Shepard. Tout le monde est là! On est sur le balcon!
sont les autres? De l'autre côté. Aucun prépare. C'est de la balle. Des primitifs. Ça va nous faire un bon exercice. Élimination de l'ennemi. Si on tombe, on tombe ensemble. On fait une belle brochette de bonnes armées. Vous avez vu ce tir rousse? Vilain, y'a pas d'autre. Si j'arrivais à ouvrir les yeux, je serais sûrement impressionné. Bon, les enfants. Il a porté un soutien de quoi? C'est une réplique de film, Drex? Je me suis dit que j'allais l'essayer, pourquoi? Essayez encore! Au bas de... Les rappeurs, éliminez l'équipage de l'autre Shepard! Et pas de conneries! Alors, qui s'est mort? Qu'est-ce qu'on a votre organe, nous? J'aimerais pas être à votre place, les pires! Patate du Krogan! Comment on va faire pour tuer? C'est bon. Où est passé l'autre vous? Il progresse dans les archives. Restez dans votre groupe. Groupe Mako, prenez la tête. Ouais. C'est quoi, hein, Mako? Une chose qui nous serait bien utile maintenant. Groupe Hammerhead, couvrez le flanc. Ça marche. Et le Hammerhead n'a rien à envier au Mako. C'est grand. À votre avis, Shepard, qu'est-ce que votre clone cherche ici? À ce stade, tout est possible. Comme se réveiller en découvrant qu'on a un clone? Je préfère ne pas en parler. D'accord. En tout cas, pas tant qu'on n'a pas tous bu un coup. Comment on va faire pour trouver quelque chose ici? Glyph! Oui, commandant. Traque la cible et tiens-moi au courant de sa position. Quelle est la nature de la cible? Elle me ressemble. Alors, je l'ai localisée. Non, Glyph, c'est un autre moi. Allez, au boulot. Tout de suite, commandant. Visez-moi ça. Cette arme a fait la guerre du premier contact. Année 2157. La première rencontre entre nos deux peuples, Shepard. Les échanges de tirs étaient inévitables. Commandant, votre clone est à la recherche de quelque chose à 200 mètres d'ici. Ok. Combattre son propre clone. C'est dingue, même d'après nos critères. Peut-être. Mais c'est utile, Shepard. Tout ce que vous ne voulez pas faire, il peut s'en charger. Un peu comme un majordome? Je préfère ne pas en parler. C'est ça. Laissez votre clone le faire. Attention!
Si c'était mon commandant, je déserterais. On est là, C'est pour ça que j'adore traîner avec vous. Pourquoi tirer une fois quand on peut tirer 46 fois? L'autre, moi, ne doit pas être loin. On va essayer de l'encercler. Allons-y. Année 2157. Guerre du premier contact. Interrogatoire Turien. Coffre T-91. Monsieur, nous avons capturé cet humain durant le siège de Shang-Chi. Un humain? Vous êtes le premier que je rencontre. Et vous êtes mon premier piaf. Il portait cette arme, monsieur. Primitive. Vous comptez vraiment gagner une guerre avec ça? Une balle reste une balle. Vous avez tant à apprendre. Quand nous prendrons la Terre, je vous éduquerai avec plaisir. Imaginez toute l'histoire stockée ici. Ça doit couvrir des milliers d'années. Je me demande juste ce que l'autre moi recherche ici. Intrus détecté. Veuillez vous diriger vers la sortie de secours. Année 700. Rébellion Krogan. Attaque contre le Conseil. Coffre K-306. C'est l'unique enregistrement vidéo de l'attaque du chef suprême Krédak contre le Conseil. L'audio va démarrer. Ça suffit. Si les Krogan n'avaient pas éliminé les Rakni, vous seriez tous à leur merci. Donnez-nous ce qui nous revient de droit, ou nous allons nous servir. Les Asari auront bon pleurniché. Nous ne quitterons pas la planète Lucia. Ambassadeur Krédak, vous aggravez votre cas par cette démonstration de violence. Erreur, Galarien. Nous donnons du poids à nos arguments. Fin des négociations. Dysfonctionnement détecté. Veuillez contacter la maintenance. Dysfonctionnement détecté. Veuillez contacter la maintenance. Vous pouvez toujours essayer.
chance. Fatale du Krogan. Je suis pas sur le terrain. Vous avez besoin de suivre les ordres de Shepard. Laissez les autres faire le plus dur. Hammerhead et Mako, continuez droit devant. Compris. Année 1896. Retrait des IA illégales. Coffre C-940. Ce sont les dernières IA de la Citadelle. Cette mise en service est illégale. Pourquoi continuez-vous alors que notre appel n'a pas encore été examiné? Silence. Vous savez bien que le Conseil ne contredira pas son propre décret. J'attends votre ordre, monsieur. Ne nous éteignez pas. Allez. Spectre reconnu, commandant Shepard. Les informations suivantes sont confidentielles. L'agresseur inconnu semble être un moissonneur, aidé par sa reine, le Spectre Renégat, dans son attaque contre la Citadelle. Le moissonneur Sovereign est détruit par la 5e flotte. Essayez, vous verrez. En revanche, le Protéin n'a jamais rien promis de tel. Faites attention au drone ennemi. Veuillez cesser toute action. Je crois que nous prenons... Encurnote a un cadeau pour vous. Ça doit faire mal. Commandant, je dénombre 18 événements historiques inconnus auparavant. Où est la cible, Cliff? Il recherche un coffre secret. Il ne voulait pas être dérangé. Pardon? Je l'ai pris pour vous. Va le retrouver. Machine stupide. Sur la passerelle. Ici, groupe Mako, on s'en charge. Ici, groupe Hammerhead. On a un soutien moral. Ici, Krogan. Ici, Laura. J'attaque Shepard. Réglez-lui son compte. On est ses amis et on se retrouve contre un mecha. De rien, Mako. Merci, les gars. Bonne chance. Ah,
J'adore voir ces trucs exploser. De soldats appelés Unité Poignard se trouve juste devant. Ils souhaitent vous infliger des dégâts physiques. J'ai également découvert un totem de fertilité Elcor dans le coffre 347B. Fascinant. J'ai encore sauvé le cul de tout le monde! Hammerhead et Mako, continuez d'avancer! C'est ça! Bon, je vais peut-être vomir un peu, si ça dérange personne! Commandant! Votre alter ego souhaite transmettre un message. Shepard, épargnez-vous cette peine. Quand j'aurai ce que je veux, vous n'aurez plus aucune importance. Allez, sale drone, porte ce message. Année 710. Génophage Krogan, déploiement. Coffre D101. Nous avons reçu l'ordre. La dispersion du génophage contre les Krogan a été autorisée. Pas par mon gouvernement. C'est votre gouvernement qui l'a créé. À quoi sert une arme qu'on n'utilise pas? Sergent Tavis, arrêtez-le. Nous sommes sûrs de cet ordre, commandant? C'est un génocide. Sergent Out, arrêtez-les tous les deux. Je presserai ce bouton moi-même. Un jour, Galarien, vous nous direz merci. Dispersion initiée. C'est la meilleure offre d'emploi de la galaxie. Je marche. Le prochain qui dit ça est viré. L'autre commandant est mauvais caractère. Il se moque des dégâts de l'interro. Que ces scientifiques soient morts. J'aurais bien voulu discuter du totem Elcor avec eux. Année inconnue. Origine Terre. Année inconnue.
antique artefact religieux. Coffre E28. Hammerhead, on se dirige vers le prochain niveau. Quelle est votre position? Hammerhead, vous me recevez? Le groupe Mako arrive. Frayons-nous un passage, commandant. Hammerhead, ouvre la marche. Entendu. On cherche Shepard, c'est moi qu'on trouve. Jamais changé. Ces créatures qui nous accueillent semblent inoffensives, mais ne peuvent communiquer. Niveau d'intelligence inconnu. Les premières observations suggèrent qu'elles ont un rôle de gardien. Nous débutons notre exploration. Je reste là! Ça va chauffer! Où comptez-vous aller comme ça, princesse? On cherche Shepard, c'est moi qu'on trouve. Affirmatif. Intrus détecté. Mon curnage a un cadeau pour vous. La voie est libre. Groupe Mako, on arrive par l'arrière. Votre statut. On se fait. Mako, où êtes-vous? Année 2183, premier spectre humain, délibération, coffre SH1. Les hauts faits récents du commandant Shepard ne sont pas contestés. Ce sont les informations sur son passé que le Conseil ignore. Shepard est né sur Terre. Il fut orphelin très tôt. Il a réussi à survivre dans la rue avant de s'engager à 18 ans. Aimeriez-vous invoquer un élément des états de service de Shepard? Nombreux sont ceux dans l'Alliance à voir en Shepard un héros de guerre. Sur Elysium, par exemple, il a repoussé seul une attaque et a sauvé son unité. Merci pour votre exposé, et merci aux autres intervenants. Le Conseil rendra dans la journée sa décision sur l'aptitude du commandant Shepard à intégrer les spectres. Commandant, vous me recevez? Quel est votre statut? L'autre vous brouille nos transmissions radio. Hammerhead et Mako avancent pour tenter d'aller l'isoler. Je suis touché et j'ai besoin d'aide. Faites vite! Identification biométrique radio spectre autorisée. Ça, c'est pas bon. Brooks, on est coincé. Y'a pas une trappe quelque part? Je vois rien. Cortez, Brooks, vous me recevez? Y'a quelqu'un sur cette fréquence? La réponse courte est non. La réponse longue évoque vos amis pris dans un cercueil d'iridium et oubliés pour l'éternité.
On n'est pas les seuls après vous. L'Alliance vous arrêtera. Qu'en dites-vous, analyste Brooks? L'Alliance va-t-elle nous stopper? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je ne travaille pas vraiment pour eux. Vous êtes qui, vous? Et vous croyez vraiment que je vous retrouverai pas? Mon nom n'a pas d'importance. Je ne garde jamais le même plus de quelques jours. Et si l'homme trouble ne m'a pas encore trouvé, vous ne m'inquiétez pas. Vous êtes de Cerberus? J'étais. Monsieur Trouble et moi avions des divergences d'opinion. Il s'est laissé endoctriner. Moi, je fixe mes propres règles. Vous auriez pu venir me voir. On aurait collaboré. C'est ce qu'on a fait, en quelque sorte. C'est moi qui ai monté tous ces dossiers sur votre mission suicide. La base des récolteurs. Le médecin Galarien, la probatrice Asari, l'archangel Turien. Ravi de vous avoir rencontré. Tout plaisir est pour moi. On était un groupe pro-humain qui a commencé à chercher de l'aide auprès des extraterrestres. Donc j'ai attendu. Et quand j'ai trouvé un autre vous qui a accepté, je l'ai réveillé. Pourquoi avoir fait tout ça? Tout ce qu'on voulait, c'était votre code de spectre. Je vois Shepard. Accès spectre autorisé. Mais vous avez survécu, et insisté pour appeler votre Asari à la rescousse. Donc j'ai dû régler les derniers détails. Le marchand d'armes. Elijah, c'est moi. Il faut qu'on parle. C'est quoi ce bordel? Je vous jure, s'ils font le lien entre moi et ces canons... Mais non. Et puis, il a fallu que votre sexy borg récupère les données. Donc voilà. On a été forcé de... contenir la situation. Je vous jure que dès que je sortirai de là, je vous couperai la tête pour la planter sur la passerelle du Normandie. Ouh, quelle menace! Et si ça venait de quelqu'un comme, disons, le commandant Shepard, j'aurais peut-être peur. Mais vous n'êtes pas Shepard. Plus maintenant. Vous aviez Miranda. La mienne a plus de mordant. On s'est bien amusé. Qu'est-ce que vous faites? Je rectifie quelque chose. Vous vous souvenez? Vous êtes le premier spectre humain, commandant. C'est un grand accomplissement pour vous et votre espèce. Sauf qu'en chemin, vous avez oublié toute votre espèce. Vous avez sauvé plus d'extraterrestres que d'humains. Je me fous de leur espèce. Chaque vie compte, mais peut-être qu'un clone n'est pas le mieux placé pour comprendre ça. Vous savez ce qu'on ne peut pas dupliquer? Les empreintes. Elles sont façonnées par la vie, pas par l'ADN. C'est ennuyeux. Mise à jour des archives du Conseil. Sujet, Shepard, spectre humain. Archive ouverte. Entrée de nouvelles données. Identifiant biométrique mis à jour. Bonne journée, commandant Shepard. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, le Normandie m'appelle. Je dois y aller. Adieu, commandant. C'est une légende de plus qui prend fin. J'ai comme l'impression qu'on s'en sortait mieux que ça avant. Je me trompe ou pas? Je dois y aller. Je parle comme ça, moi? Ce n'est que mon avis, mais... ouais. Bon, ça peut paraître idiot, mais on ne devrait pas plutôt s'inquiéter de cette chambre forte qui nous retient prisonniers? Pourquoi vous ne me l'avez jamais dit? Je suis ouvert aux critiques, vous savez. C'est que... je pensais que tous les humains disaient ça. Une sorte d'expression terrienne. Il doit pas y avoir beaucoup d'air non plus, ici. Une heure, avec un peu de chance. Peut-être... je dois y aller. Je dois y aller. Je dois y aller. Shepard, par pitié, soyez un peu sur le coup, merde. Hein? Oh, Glyph, t'es toujours là? Oui, commandant.
Ouvre-moi ce truc et va chercher les autres. Personne ne volera mon vaisseau, même pas moi. J'ai de la place pour deux plus Shepard. Décidez-vous vite, parce que l'autre Shepard est en train de voler mon vaisseau. Je serais bienvenue, moi. Moi aussi. 50 000 ans ont passé, et on ne me choisit toujours pas. Joker reviendra vous chercher. Promis. Je hais les permissions. J'ai garé le vaisseau depuis à peine 5 minutes. Appelez le contrôle aérien. Dites-leur de refuser la demande de décollage. J'ai essayé. Toutes les communications sont brouillées. Ils veulent me piquer mon vaisseau ni vu ni connu. On va les arrêter. Même si on perd le Normandie, on pourra prouver votre identité devant le Conseil. Non. Il a remplacé les données biométriques officielles par les siennes. Nous ne pouvons rien prouver. Ouais. Et si on se mettait d'accord pour dire qu'il ne faut pas laisser le clone maléfique de Shepard voler le Normandie? On va le récupérer, promis. J'espère bien. J'avais enfin réussi à régler mon siège. Super. Les systèmes de sécurité de la citadelle ciblent le véhicule. Si on s'approche, ils vont ouvrir le feu. Demi-tour. Allez récupérer les autres sur le champ. Reçu. À moins d'avoir pris un taxi, ils ne doivent pas être loin. Bien, ça faisait longtemps que j'avais rien tué. Quoi ? Je voulais y aller, moi. Moi aussi. Mais je suis rarement choisie. Joker reviendra vous chercher. Promis. Appelez le contrôle. J'ai essayé ! On va les arrêter. Et si nous perdons le Normandie ? Nous pourrions prouver votre identité devant le Conseil, non ? Il a changé les registres biométriques. Nous sommes démunis. Ouais. Et si on se mettait d'accord pour dire qu'il ne faut pas... Reçu. Encore de la chair à canon.
sais même pas... Hein ? Quoi ? Vous étiez juste sur le Normandie ! Vous m'avez renvoyé avec un blâme pour conduite inappropriée ! Vous me virez du vaisseau et j'ai à peine le temps de prendre ma brosse à dents ! C'est une si jeune Promark 4. Elle utilise des champs gravitationnels pour éliminer la plaque. Je sais, c'est moi qui vous l'ai dit. Et je m'en souviens parce que je suis le vrai Shepard. Et quelqu'un m'a viré du vaisseau. Si c'était pas vous... Ne soyez pas stupide. C'était clairement un clone. Je vous expliquerai plus tard. Pour l'instant... Verrouillé. Le Normandie va décoller. Il reste quelqu'un à bord qui pourrait nous aider ? Non, j'étais là parce que j'ai aidé pour les améliorations du Normandie sur Terre. Tous les autres sont en perme. Vous connaissez ce vaisseau par cœur. Vous pouvez me faire entrer ? Il y a une écoutille d'urgence pour les évacuations. Elle devrait être... ici. C'est un verrouillage manuel, et on ne peut l'ouvrir que de l'autre côté. Des idées ? Je pourrais tenter un champ biotique, mais je ne crois pas avoir la précision requise pour ça. Si on m'avait dit ce matin qu'une brosse à dents allait sauver le Normandie, j'aurais été plutôt sceptique. Se tient devant vous. Est-ce que c'est bien compris ? Ce n'est pas plus mal. Vous ne préférez pas vous en charger vous-même ? Armurerie. Trouvez-le, bloquez-le. Je crois qu'on a cassé la brosse à dents de Trainor en ouvrant le sas. Rappelez-moi de la rembourser. D'accord. Shepard ? Plus tard. Rappelez-le, moi, plus tard. C'est très étroit. Silence. Faut pas qu'ils nous entendent. Bien. Allez, faites la ronde. Trouvez Shepard ! Pourquoi il a dit de ralentir ? On peut tuer Shepard si on n'a pas le choix, non ? Il a dit le ralentir, parce qu'il pense qu'on est de la chair à canon. Je vois. Merde. Alerte. Confirmé. Arrière, c'est frayé.
Idea, ici le vrai Shepard. J'ai besoin que tu verrouilles le Normandie. Tu peux nous aider ? Idea, tu me reçois ? Ils ont dû la désactiver. Allons vers la soute. C'était dans ma cabine, ça ? Il met le bordel dans mes affaires. Là, ça devient personnel. Ça deviendrait presque gênant. Arrêtez de tirer sur mon vaisseau! Il n'est pas à vous. Bientôt. J'ai pris votre nom, votre statut de spectre et même vos empreintes digitales. Et vous m'avez laissé crever, sauf que je suis là. Vous croyez que le Conseil va se laisser duper par de fausses empreintes ou hackettes? Alors, comment se passe votre plan ? Unité Hachette ! À la navette ! Quelle équipe ? Ce sont des hommes de main, et il vous en reste peu. Excellent,
Mais qu'est-ce qui se passe ici? Sortez de la nébuleuse et passez en SLM! On ne peut pas! Une navette nous bloque la route! Sautez-la! En restant à 30 degrés, on bloque le calcul de trajectoire. Ça fait de nous des cibles parfaites! Non, ça fait de nous un appât. Je pilote! Non! Lancez la navette sur ce truc pour dégager la voie! Attention, près de la rampe!
Regardez-vous. Qu'est-ce que vous avez de spécial? Pourquoi vous et pas moi? Tenez bon! On vous tient. Donnez-moi la main. Et ensuite? Ensuite, vous vivrez. Pourquoi? Heureusement, ils ne sont pas restés assez longtemps pour faire trop de dégâts. Mais j'aurais sûrement besoin de l'aide de James pour nettoyer le hangar à navette. Ils nous ont aussi surchargé la dissipation thermique en nous mitraillant. Il faut remercier Monsieur Navette ici présent, qui a fait quelques belles manœuvres pour nous garder en vie. C'est cool de pouvoir piloter quelque chose de plus maniable que le Kodiak. Et Idea, elle est reconnectée ? Je contrôle à nouveau totalement le Normandie. Très bien. Et les mercenaires, y a des survivants? Elle et un pilote à deux balles. L'Alliance la transfère dans une prison de haute sécurité. Elle pourra peut-être balancer des infos sur Cerberus. Je serais ravie de coopérer avec les autorités. Maya, je connais cette voix. Ah oui? Vraiment? Vous avez une chance de vous racheter. Ne la gâchez pas. Quel sérieux! Avouez-le, vous aimez bien m'avoir dans le coin pour admirer votre légende. On a eu de bons moments. Peut-être qu'on en aura plus un jour. Je sais. Non, parce que vous allez rester en cellule pour un bon bout de temps. Vous craignez que je m'échappe pour me venger? Le grand commandant Shepard a peur pour sa vie? J'ai peur pour la vôtre. C'est gentil. Bon, eh bien, direction la prison. Il ne m'aurait pas laissé en vie, lui. On ne peut pas tout cloner. Si vous changez d'avis, il n'est pas trop tard pour la balancer dans l'espace. Le reste de l'équipe attend dehors, commandant. Normandie sera comme neuf, on n'a rien de temps. Bonne nouvelle, merci. J'ai quand même connu plus relaxant comme permission. Allez, on va peut-être pouvoir profiter d'un vrai congé. Pas d'explosion, justement. Improbable, mais acceptable. Alors ? Que fait-on après une journée passée à combattre un clone maléfique? La sieste? Pitié! On fait la fête! Bon, je dois vous laisser. J'ai affaire avant de repartir à Tuchanka. Quand on est le patron, faut être partout, hein? Prévenez-moi si vous voulez sortir, ou si vous voulez faire cette fête. À plus! Une fête, c'est ça? Pas de pression. Personne ne vous oblige à faire la fête. D'accord, bonne idée. Préparons ça. J'ai fait verser quelques liquidités sur votre compte pour l'achat des fournitures en vue de la soirée, commandant. D'accord,
Idea, Cortés et Trainor sont OK. Hein? J'ai également informé le docteur Tsoni de l'éventualité de festivités à venir. Minute, minute, je vais m'occuper de la liste d'invités. Il n'y a pas de bouton annuler invitation. D'accord, mais à partir de maintenant, c'est moi qui m'occupe des invitations. C'est mal barré. Cortés vient d'inviter James. Bien. Je vais aller voir ce que je peux trafiquer dans le coin, sans me briser un fémur. Certains membres d'équipage ont demandé à vous voir en privé, commandant. Vous pouvez lire vos messages sur votre terminal. Si vous voulez vous divertir, l'avenue Stella Argent propose une salle de jeu en plus du casino. On vous a également offert une inscription gratuite au simulateur de combat. Merci, Glyph. Je crois qu'une petite permission me ferait du bien.